pour la seconde fois de sa vie, Marine Le Pen est au second rang des une élection présidentielle française. La présidente du FN a trois enfants qu'elle tient à protéger plus que tout au monde. La dernière ligne droite de elle, élection présidentielle française est en clanche. Le dimanche 10 avril 2022, les Français ont voté pour leur candidat et les résultats sont désormais connus. Emmanuel Macron et Marine Le Pen affronteront au second tour de cette élection. La fille de Jean-Marie Le Pen est une femme politique, mais également une maman comble. Cela fait 35 ans qu'elle est présente sur la scène politique française, et elle a su protéger sa vie privée. Elle met un point d'honneur à garder sa vie personnelle secrète, c'est, et la raison pour laquelle on ne connaît que peu de choses sur ses enfants. Marine Le Pen est la maman de trois enfants issus de son premier mariage. Malheureusement, elle a divorcé de cet homme 6 mois après la naissance de leur dernier enfant. Qui sont les enfants de Marine Le Pen? Et surtout, qui est leur père? Les réponses. Marine Le Pen, leader du parti d'extrême droite français et Rassemblement National et candidate à l'élection présidentielle française de 2022, s'entretient avec les médias après avoir de pause et dit image à nous avec un red boy boy divorce après trois enfants il y a plusieurs années. Marine Le Pen est tombée amoureuse des un homme appelé Franck Chauffroy, de la mort du général de Gaulle. Ce dernier était un entrepreneur qui fournissait du mobilier pour les meetings organisés par Jean-Marie Le Pen. C'est, et dans ces circonstances qu'ils se sont rencontrés qu'ils ont fini par se rapprocher. Franck Chauffroy est décrit comme un homme qui aimait faire la fête, un bad boy. C'est, et probablement ce caractère qui a séduit la fille de Jean-Marie Le Pen. Un de ses proches a confié, Marine a toujours aimé ce style. Portrait de Marine Le Pen le 10 mai 1987 à Paris, France. Getty Images. Pour aller dans le même sens, Patrice Machuret a écrit dans son droit d'auteur intitulé « Dans la peau de Marine Le Pen ». Marine est tombée red dingue de lui. C'est beau à l'époque. Elle, amour était au rendez-vous et ils se sont mariés le 7 juin 1997. Quelques mois plus tard, en 1998, Marine Le Pen mettra au monde sa première fille, Jeanne. 10 mois plus tard, en 1999, leurs jumeaux Mathilde et Louis verront le jour. Un mois après, le couple divorce de manière inattendue. Plus de 20 ans après les faits, la présidente du FNN a jamais donné la raison de ce divorce. 1er avril, Marine Le Pen aux Antilles en France en avril 1988. Getty Images. Parlant de son choix de protéger ses enfants, elle a confié à Valeur Actuelle. J'ai trois enfants qui sont aujourd'hui de jeunes adultes, que j'ai eus en 10 mois et demi, c'est ma ligne rouge, et je n'en ai pas énormément. Je les ai totalement préservés. Seule photo de nez parue dans la presse, j'y tiens à cette protection comme à la prunelle de mes yeux. C'est, et tout à son honneur. Le Pen, avocate de deux militants du FN, Samuel Maréchal, gendre de Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Brault qui comparaissent devant le tribunal correctionnel au lendemain de heurts survenus entre militants du FN et lycéens en arrive au palais de justice de Cheux le 22 mars 1995. Getty Images. Elle a tellement voulu les éloigner de elle, exposition médiatique, elle a refusé de leur donner le célèbre nom Le Pen. S. Appelle en effet Jeanne, Mathilde et Louis Chauffroy.
de la garde de ses trois enfants à leur âge adulte après le divorce, Marine Le Pen a obtenu la garde de ses enfants. Elle les élève avec elle, aide de sa maman, Pierrette, jadis installée dans leur domaine de Montretout. Le quotidien de Marine Le Pen est être familial, car elle est exclusivement consacrée à elle, éducation de sa progéniture. Elle peut être fière parce qu'elle a atteint le double objectif que LS était fixe. Protéger ses enfants et leur donner la meilleure éducation possible. Marie Le Pen, avec ses filles Marie-Caroline et Marine, à la journée Jeanne d'Arc à Paris, France, le 1er mai 1991. Getty Images ECN n'était pas forcément une chose facile à faire quand on appelle Le Pen. Fait, les choix politiques de Jean-Marie Le Pen ont souvent eu à se répercuter sur sa fille. Les relations entre le père et la fille n'ont pas toujours été saines, au point de virer au clash médiatique. Et probablement de tous ces maux que Marine Le Pen a voulu protéger ses enfants. Désormais majeurs et assument leurs propres choix. On vote pour la première fois de leur vie lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Sont-ils devenus? Zoom sur leur vie actuelle. Marine Le Pen, avocate de son père Jean-Marie Le Pen lors d'un procès le 12 septembre 1996 à Épinal, France. Getty Images, la vie actuelle de Jeanne, Mathilde et Louis. On ne sait que trop peu de choses sur les enfants de Marine Le Pen. Toutefois, nous partageons avec vous les informations que nous détenons. Première fille de Marine Le Pen, Jeanne est désormais âgée de 24 ans. Et, après son compte LinkedIn, elle est costumière pour spectacle. Mathilde Chauffroy est âgée de 23 ans. La jeune femme est responsable d'une entreprise qui fournit du mobilier événementiel. Son entreprise occupe entre autres du mobilier utilisé lors des meetings de Marine Le Pen. De Louis Chauffroy, exception faite de sa passion pour le rugby, peu d'informations sont disponibles à son sujet. Sa maman avait confié en 2017 à France Bleu : Je suis cerni par des adorateurs de rugby. Mes jumeaux adorent mon fils, joue assez bien et régulièrement, c'est une baraque. On ne sait pas il compte continuer dans le rugby. Qui sait, peut-être optera-t-il pour une carrière professionnelle et pourquoi pas, en équipe de France. Elle, à venir nous le dira. Peine tout souriante. Getty Images pour conclure, Marine Le Pen est une nouvelle fois exprimée sur son choix de protéger sa progéniture. Mes enfants ont le droit de vivre tranquillement. Je l'ai été moi. Être plus heureuse si je ne l'avais pas été. Il n'est pas question que j'impose cas au mien, avait-elle expliqué à Paris Match. Elle est aussi son pari dans la mesure où il est difficile de trouver les informations sur ses enfants. Si, c'est, est quasiment impossible de trouver une de leurs photos dans un article ou sur les réseaux sociaux. Ceci leur permet de mener une vie paisible, loin des objectifs des paparazzi comme voulu par leur maman. Lire aussi. Nagui a divorcé de sa première femme Marine, mais reste proche d'elle pour leur fille, Eugie, de 25 ans. Cette dernière vit à Londres. Abonnez-vous à Momam sur Google News.